Elles sont bien, hein, les gars. Bah oui, elles sont bien, si tu crois. Attends. C'est pour ça que ça me fait chier d'avoir une guitare qui sonne bien s'il n'avait pas réglé au petit poil. Mais bon, après, je sais qu'il y a des... ils sont chiants, les musiciens, avec ça. Non, c'est après, normal. Je cours pas non plus après une action de guitare électrique, tu vois, parce que j'ai remarqué aussi que quand l'action est trop basse, bah, tu perds vachement de, ouais, tu de perds, dynamique, ouais. Quoi. Ouais, tu perds du sustain et tout, tu mais... perds de... C'est un juste milieu, quoi. C'est un équilibre, c'est comme tout. Et ouais, mais du coup, c'est ce que tu m'avais dit, tu vois, de monter des cordes de cheval et puis de l'accorder plus bas, mais non, ça a pas fait. Ça l'a pas fait. Ça le fait bien sur celle-là. Là, j'ai mis sur la petite, j'ai mis du 13-56. Ouais. Mais du coup, comme c'est un short scale, tu sais, c'est ouais, une petite. Ouais. Tu veux le faire ou pas? Tu t'es pas déplacé là pour mettre un coup de clé dans le Throne quand même? Oh, mais je viens pas faire. Si j'estime qu'il y a pas besoin, je... Toi, tu le ferais pas. Si tu veux, je t'en fais un. Bah, moi, je trouve ça frise pas, moi. Bah, là, ça fait deux jours qu'elle frise plus. Tu vois, là maintenant que j'ai réglé le manche, à mon troisième, tu friseras plus. En fait, elle tapait là. D'accord. Jusque là, tu jouais là. De là jusque là, elle tapait ici, en fait. Ok. Donc, après, ça après, tu frisais plus. Ouais, d'accord. Non. Tu frisais là, sur ces trois-là. Après là, ça devait passer. Ouais, après c'était fini. Ouais. Si tu veux, il est un peu c'est bas. Quoi, c'est la frette qui est un peu. C'est une des 5 ou 7. Non, c'est parce que ton manche, il était trop droit. Trop droit. Ouais. Voire un petit peu une bosse là. En fait, ce qui est vraiment dommage de cette guitare, c'est que le renversement, il est pas bon. Enfin, il est bon, mais il est très limite. Non, on avait regardé. C'est déjà au signet de chevalet, il est à fond, quoi. T'es à tes limites, ouais. Moi, j'aime pas aller plus bas. Bah, ouais. C'est dommage que le renversement, il soit pas un petit poil plus marqué, quoi. Mmh. Ouais, moi, j'aime bien forcer un peu le renversement. Bah, ouais. Ainsi, est plus haut. Quand je fabrique, c'est ça. Tu crois que dans 5-6 ans, quand je ferai éventuellement un refrettage, ouais. Tu crois que c'est jouable de mettre des frettes plus hautes? Ouais. Pour tricher un peu Oui, là, t'as des frettes qui sont basses. T'as des frettes hyper plates, hyper fines. Ouais, tu peux. Mais ça va te changer ton toucher quand même. Mais là, au niveau de la sensation, d'avoir des frettes un peu différentes. Après, moi, j'aime bien les frettes jumbo. J'aime bien. C'est-à-dire, mais celles-là, elles sont bien. Frettes jumbo, c'est plus grosse. Enfin, soit t'as du plus large et qui peuvent rester basses. D'accord. Soit t'as du large haute. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux en refaire un? Ouais, je serais chaud pour en refaire un pour que vraiment que la mie elle soit au même niveau que les autres, mais après... Quitte à avoir les deux sillets. Ah! C'est-à-dire que t'as un autre sillet et puis t'as deux sillets. Quand il pleut, je mets un, et quand il fait beau, je mets l'autre. On fait ça? Est-ce que tu veux un café? Oui, je veux bien. Je te sors un café de trompette dans la tasse de la reine d'Angleterre, ma pote. Excellent. C'est bon, ça, merci. Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Ben cool. Merci. Elle est jolie, cette guitare, j'aime bien. Carrément. Ah, j'aime bien. Moi aussi. C'est sobre et... Après, c'est quoi, c'est le Benny Macassar, le... Non, c'est Jericote. C'est Jericote, la touche aussi. Ouais. Ah, il ressemble. C'est marrant, là. Tu trouves ça ressemble à l'ébène de Macassar? Ça peut, mais c'est des collages qu'ils ont fait, là. Ouais, c'est des inserts en noyer. Ah ouais. C'est hyper discret. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi ce truc. Ça, c'est toi qui as demandé ça? Ouais. C'est marrant. C'est marrant. Je trouve ça sympa, ça change un peu, tu vois. J'en ai déjà fait une guitare avec des repères comme ça en bois, mais j'avais fait des repères comme dans ce sens-là. Ah, d'accord. Fin, quoi, tu vois. Et c'est pas mal en fait, hein. Bah là, ça change carrément le bois, quoi. Hein? Le morceau de la touche est magnifique, je trouve. Bah, c'est ça. Avec le petit nœud au milieu. Moi, j'aime bien parfois quand il n'y a rien du tout. Ouais. Tu sais en fait, quand ils ont lancé la construction et choisi les bois, il y a quatre. On était quatre clients. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Ils m'avaient envoyé les photos. Ouais. Et t'avais choisi celle-là? Ouais. Ouais, je la trouve classe. Je savais pas, tu vois, qui faisait ça en fait. Qui faisait sur.
C'est pas vraiment sur mesure, tu vois, mais tu peux choisir quelques bricoles. Quoi. C'est le custom shop, quoi, en fait. C'est le principe du custom shop, tu choisis. Après, ça reste limité, mais bon, tu choisis les bois, l'ensemble, le montage. Et puis après, les bricoles, tu vois, la taille du manche, la forme du manche, non. Ils font que cette forme. Ça. Mais par contre, tu peux choisir la largeur du ciller. C'est pas mal, cette forme-là. Hein. Ah, oui, j'aime bien. C'était un peu plus plat ici, avec un arrondi dessous, comme ça. C'est bien. Ouais. C'est pas complètement... Puis c'est pas fin, quoi. Ouais. Moi, j'aime pas trop quand c'est fin, trop ouais. Fin. Après, t'as rien dans les... Ouais. J'aime pas un goût de bois dans les mains, quoi. Ouais. Mais bon, elle est cool. Noyer, j'aime bien aussi. Ouais, c'est ce que je préfère. Je trouve ça mignon. Ouais. Puis ça sonne bien, ça sonne sec, assez sec. Ouais. C'est ce que je préfère. J'adore. Dag. Ouais, vous avez... C'est Bruno. Tu veux le faire du coup ou bof? Ah non, mais moi c'est toi qui décide. Si tu veux, je le fais. Voilà, on le fait. Pour le plaisir de te voir travailler. Allez.